Vous avez lu le titre de ce livre, D'un château l'autre. Vous avez lu aussi le nom, de l'auteur, Louis-Ferdinand Céline. Monsieur Céline, avant d'entrer dans ce livre, je voudrais vous poser une question à propos de vos livres précédents, question qui est contenue, impliquée dans celui-ci. Il semble que vous ayez été surpris, vous soyez maintenant surpris de cette avalanche de catastrophes qui ont été la conséquence de vos livres, particulièrement du voyage. Vous dites que c'est du voyage au bout de la nuit que sont venus la plupart de vos ennuis. Ennui étant ici un mot très faible. Que voulez-vous dire exactement? Vous ne vous y attendiez pas, enfin? C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un honnête bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque. Et puis les choses se sont développées de telle façon que la vie du médecin, d'humble médecin, est devenue impossible et m'a compliqué de plus en plus la vie, si bien que j'ai été de difficulté en difficulté. Et puis jusqu'au moment où je me suis permis de m'occuper de politique, et ce fut évidemment le signal d'une ruée, d'un anali qui me poursuit encore. Voilà ce que j'ai voulu dire. Oui, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle je vous pose la question, est-ce qu'en écrivant Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, et c'est cette phrase d'un château l'autre qui me fait croire, en écrivant Le Voyage au bout de la nuit, vous avez pu croire écrire ce livre, je dirais presque impunément, enfin sans penser aux conséquences. Absolument sans conséquences. Je croyais qu'on y prendrait un petit intérêt, comme on prend un intérêt à lire une nouvelle ou un journal, et puis que, ayant vendu suffisamment de ce petit livre, Le Voyage au bout de la nuit, eh ben, je retournerai à ma médecine tranquillement, avec un appartement dont je n'aurais pas besoin de payer le terme. Parce qu'à ce moment-là, encore, on avait la hantise du terme. On ne l'a plus, puisqu'on n'en paye plus. Mais enfin, j'avais la hantise du terme que j'avais hérité de mon enfance. Et j'ai toujours eu des gens hantés par le terme. J'ai dit, ce serait une hantise de moi. Alors, voilà, c'était pour ma tranquillité que j'ai écrit Le Voyage au bout de la nuit. Et certainement pas ce qui est arrivé, n'est-ce pas ? Le contraire. Donc, à ma grande surprise, et elle dure encore, figurez-vous, c'est la même. Oui, je crois être encore surpris par ces retentissements. Vous ne croyez pas à votre violence ? Enfin, vous ne la concevez pas, vous n'imaginez pas ? Je ne me vois pas violent du tout. Oh, mais pour le moins du monde, je n'ai jamais été violent. J'ai toujours soigné avec beaucoup de douceur, si j'ose dire, tous ceux qui m'ont approché. J'ai sauvé énormément de gens et d'animaux. À la guerre, j'ai vécu dans bien des milieux, mon Dieu, et bien violent, je dis, j'ai vécu dans la violence. Mais moi-même, je ne la veux absolument pas. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire ne m'a donné raison, mais pas les hommes. Bon, ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Et alors, dénoncer avec violence, il suffit de dire simplement que vous allez tomber dans un précipice. Ben, c'est violent. Si vous dire, ben, monsieur, avancez, je vous en prie, vous êtes là sur une jolie pelouse et vous marchez gentiment devant vous, ne vous occupez pas du reste. Ah non, non, ça j'ai dit. Vous savez, il y a, à ce propos, puisque vous mettez sur ce point-là, je me suis occupé beaucoup des explorations polaires. J'ai connu des explorateurs de la grande époque qui exploraient encore les zones polaires, et particulièrement le Groenland, avec des meules de chiens, avec des attelages de chiens. Et ce qui compte, n'est-ce pas, dans l'attelage, c'est le guide. Le guide est généralement une chienne qui est particulièrement fine et qui sait, à 25 ou 30 mètres, dire qu'il y a une crevasse. Or, on ne le voit pas sous la neige, n'est-ce pas, la crevasse. Ça ne se voit pas. Alors, on nous dira qu'elle est violente parce qu'elle avertit tout le traîneau qui va s'embarquer dans la crevasse et qui va descendre de 60-70 mètres dans un trou. Et ça va être fini, à la mort, n'est-ce pas ? Eh bien, ça, évidemment, j'ai eu peut-être la finesse d'une chienne de traîneau. Pas plus.
Mais vous ne niez pas, enfin je pense que vous ne niez pas la violence qu'il y a dans votre style. Enfin, la violence est au moins chez vous question d'écriture. Enfin. Bah, c'est comme la chienne, elle aboie un certain aboiement, et le maître, j'en ai connu, Mikkelsen en particulier, qui était gouverneur du Groenland, m'expliquait bien souvent cette histoire. Il avait une chienne, et les autres chiens auraient été directement dans la crevasse. Mais immédiatement, puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chienne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Il y a ça le soleil. Mais ça faut être fine. C'était une bête de finesse. C'était une aristocrate. Elle avait de la finesse. Les autres n'en avaient pas. Elle était raffinée. Elle était raffinée. Les autres n'étaient pas. Mm. Alors, la grosse, je suis raffiné. Mettons, je suis raffiné. Mais c'est tout. Mais alors, on m'accable parce que je suis raffiné. Mon Dieu, qu'on me tue. Si dans un élevage, on tue des bêtes raffinées, évidemment, c'est un élevage très spécial. C'est un peu ce qui se passe.